are going to change to French and Dutch for the next interview with our Lebanese-French author, guest of tonight, Hoda Barakat. Welcome, Hoda. How are you? Are you there? I see a very nice raven. I'm there. Yeah. Great. Thank you. How are you? Comment allez-vous? Vous êtes ça à Paris. Très bien. I'm fine. Thank you. Vous êtes, à Paris, je pense. Vous êtes en confinement. De tweede lockdown is begonnen in Parijs. Absolument. Nous sommes en confinement. Comment vous vivez ce confinement? Hoe ervaart u die lockdown? Vous savez, moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop. Parce que je vis pratiquement confinée, c'est-à-dire je sors très rarement et ça me plaît beaucoup d'être à la maison. Het stoort mij niet zo, want ik leef zelf ook een beetje opgesloten thuis. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. C'est une soirée absolument remarquable ce soir. Non seulement vous êtes ici à La Haye, het is een geweldig bijzondere avond. Niet alleen omdat u hier in Den Haag bent tegelijkertijd via een beeld. Maar ook omdat we natuurlijk allemaal in afwachting zijn van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. On est tous en attente des résultats des élections américaines. Et comme je sais que vous avez enseigné aux États-Unis, ik weet dat u in Amerika ook les heeft gegeven, vous suivez ces élections pas à pas? Êtes-vous echt op het puntje van uw stoel? Oui, tout à fait. Vous savez, comme tous les citoyens du monde, ce sont les Américains qui votent, mais c'est nous, partout dans le monde, qui assumons ces élections et qui sont les sujets du nouveau président américain. C'est-à-dire, ils votent pour eux, mais pour le monde entier aussi. Ja, zoals u weet, de Amerikanen stemmen natuurlijk zelf, maar de hele wereld kijkt toe, want wat de Amerikanen stemmen, dat heeft een betekenis voor de hele wereld. Ce soir, évidemment, on ne va pas parler des élections américaines. On va en parler encore pendant toute la semaine. We gaan vanavond niet spreken over de Amerikaanse verkiezingen. Maar we gaan spreken, mais on va parler de votre livre qui a été traduit en néerlandais par Djoeke Poppinga, Brieven in de Nacht, n'est-ce pas? On va parler de ce livre, de votre œuvre. Daar gaan we eerder over spreken, over uw werk en over de vertaling van Djoeke Poppinga, Brieven in de Nacht. Vous êtes né au Liban, ça tout le monde le sait. Vous êtes en Libanon geboren, dans une famille originaire d'un village chrétien dans le nord du Liban, in een klein stadje, zou we kunnen zeggen, in het noorden van Libanon. Qui est le lieu de naissance d'un écrivain assez connu, libanais, Khalil Gibran. Et ça, j'ai trouvé dans toutes les biographies de vous. Ik heb overal gevonden dat u geboren bent in dezelfde plaats waar de grote schrijver Khalil Gibran is geboren. Et ça m'a étonné. Est-ce que cet écrivain a été tellement important pour vous ou c'est juste une anecdote? Is het echt een belangrijk auteur voor u geweest of is het anecdotisch? Ce n'est pas tout à fait une anecdote parce que, en fait, Khalil Gibran est un vrai parent à mon père. C'était son cousin du côté, pas mon père, mais à mon grand-père. C'était son cousin du côté maternel. Maintenant, est-ce que j'ai été vraiment influencée? Oui, mais au début de mes années d'adolescence, après beaucoup moins, en fait. Ja, het is niet helemaal toevallig natuurlijk, want Khalil Gibran is een neef van mijn grootvader, van mijn moederskant. En voornamelijk toen ik jong was, is hij van grote invloed geweest voor mij. Et pourquoi? Parce que c'était un modèle pour vous? Waarom was het een model voor u? Heeft u het idee gekregen om te gaan schrijven? C'est lui qui vous a donné l'idée d'aller écrire, de vouloir devenir écrivain ou pas du tout? Non, parce que je suis arrivée à l'écriture assez tard. Et encore plus tard à la publication. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, ce n'était pas mon unique source d'inspiration.
Mais je lisais beaucoup en fait en français parce que l'école nous imposait beaucoup de lectures en français. Et en fait, un petit détail, je ne suis pas née dans ce village du Nord. Je suis née à Beyrouth. Mais comme tout le monde sur Internet, enfin, il y a beaucoup d'informations qui sont fausses, mais ce n'est pas la peine de corriger, vous laissez courir. Mais les grandes influences, je suppose qu'ils sont venus par la suite. Nee, deze man is niet zo invloedrijk geweest voor mijn schrijven, want ik ben pas veel later gaan schrijven en nog later gaan publiceren. Ik heb hem natuurlijk wel gelezen, maar ik las voornamelijk ook veel Frans, want op school werd er ook veel Frans gelezen. En trouwens, het klopt niet helemaal dat ik in hetzelfde dorp geboren ben, want ik ben zelf in Beyrouth geboren. Maar dat zijn zaken die zo ontstaan op internet en dergelijke. En dat heb ik zo gelaten. Oui, en fait, vous avez publié votre premier roman en 1990, si je ne me trompe pas, peu après avoir quitté votre pays à cause de la guerre civile. U heeft uw eerste roman pas in 1990 eigenlijk gepubliceerd, kort nadat u Libanon had verlaten. Et puis vous êtes installé à Paris. Vous avez grandi dans un univers plutôt francophone, je pense. C'était pour ça que vous êtes allé à Paris. Bent u opgegroeid met de Franse taal en daarom naar Parijs gegaan? En fait, quand je suis partie du Liban en pleine guerre civile. Ce n'était pas un choix de libérer la France. C'est vrai qu'il y avait la facilité de la langue française et que j'avais fait des études supérieures en littérature et langue française. Mais c'est surtout une question pratique parce que j'avais une sœur qui étudiait ici et donc qui avait un studio où je pouvais tout de suite loger avec mes deux enfants. Toen ik vertrokken ben uit Libanon, dat was wegens de burgeroorlog. En het was niet echt een hele bewuste keuze om naar Frankrijk te gaan. Natuurlijk sprak ik Frans en ik heb ook Franse letteren gestudeerd. Maar er was ook een praktische aanleiding, want ik had een zus die studeerde in Frankrijk. En die had daar een studio, dus het was voor mij heel voor de hand liggend om daarheen te gaan. D'accord. Et vous avez fait des études de littérature française à l'université libanaise de Beyrouth. Vous êtes ensuite donc venu à Paris. De quelle manière la littérature française et toutes les connaissances que vous en aviez vous a influencé? Et de quelle manière la littérature arabe a formé votre écriture? U heeft dus Frans gestudeerd. Op welke manier heeft de Franse literatuur eigenlijk uw schrijverschap gevormd? En wat is de rol daarbij van de Arabische literatuur? Vous savez, la première partie de ma vie, je lisais pratiquement tout en français. Parce que ça me plaisait beaucoup. Deux, parce qu'il y avait des sources d'autres langues et d'autres civilisations que je pouvais lire traduites en français. Mais à partir d'un certain âge, je commençais à me poser des questions un peu de voir pourquoi j'ai une langue que je ne connaissais pas très bien parce qu'elle était mal enseignée. Et j'ai commencé à l'apprendre par moi-même. Et là, j'ai fait des découvertes immenses et je suis tombée vraiment amoureuse de la langue arabe, surtout la langue écrite, la langue classique. Et j'ai décidé de toute ma vie apprendre cet arabe-là et écrire en arabe. C'est-à-dire que le fait de vivre en France m'a encore plus réconforté dans ce choix. C'était une manière de ne pas tout quitter à la fois. Donc, je m'attachais plus à la langue arabe. In het eerste deel van mijn leven heb ik dus veel Frans gesproken, want dat was ook de taal die we tijdens het onderwijs kregen. Maar deze taal gaf mij toegang tot meerdere culturen. Maar later ben ik me meer gaan interesseren tot de Arabische taal. Die ben ik zelf gaan bestuderen. En toen heb ik immens veel ontdekkingen gemaakt via de Arabische taal.
En juist ook toen ik in Frankrijk ben gaan wonen, toen is Arabisch voor mij een taal geweest die mij bleef, waardoor ik bleef wortelen in mijn eigen cultuur. Oui, mais c'est absolument remarquable parce que je pense que ça a dû être très très difficile pour vous. Vous aviez grandi dans une langue française et puis écrire dans une autre langue, c'est vraiment très difficile. Hein? U bent opgegroeid met de Franse taal en nu heeft u zelf Arabisch geleerd. Dat moet heel moeilijk geweest zijn. Pas ce point, parce qu'en fait, au Liban, on parle l'arabe, c'est-à-dire c'est la langue de tous les jours, c'est la langue, mais ce n'est pas tout à fait le même arabe. Il y a une différence entre l'arabe qui est parlé et l'arabe qui est écrit, qui est beaucoup plus difficile, qui est une langue qui a une très profonde mémoire, qui vient de loin et qui véhicule beaucoup de vecteurs, qui a beaucoup de ressources, qui a beaucoup d'horizons. Donc, je n'étais pas complètement loin de l'arabe. J'étais à mi-chemin entre l'arabe parlé, l'arabe enseigné à l'école, pas vraiment très bien enseigné, et l'arabe que je commençais à savoir, à connaître à partir de mes lectures. Nee, dat was niet echt zo ontzettend moeilijk als je zou denken. Want het Arabisch, dat werd wel altijd gesproken om me heen. Alleen het Arabisch wat gesproken wordt, is niet hetzelfde als het geschreven Arabisch. Dat veel meer diepte kent en veel rijker is en een zeer oude taal is. Maar dus door het kunnen spreken van het Arabisch, kon ik veel makkelijker Arabisch leren schrijven. Parlons de courrier de nuit, qui est quand même le grand sujet assez récent aux Pays-Bas. Laten we het over uw laatste boek hebben, Brieven in de Nacht. C'est pas la première traduction en néerlandais, het is niet de eerste vertaling in het Nederlands. Want La Pierre du Rire is ook al vertaald in de lach, als De Lachsteen. En Le Royaume de cette Terre a été traduit en néerlandais également, en tant que Koninkrijk der Aarde. Courrier de nuit est un roman absolument génial, je trouve. C'est pas facile à lire. C'est echt un ongelooflijk mooi roman. Het is helemaal niet makkelijk. C'est pas un roman plutôt. C'est une série de lettres. Ce sont des lettres écrites par des gens qui sont en mouvement, qui sont à un aéroport. Hein. Het is een brievenroman, eigenlijk een brievenboek, waarin je brieven vindt die geschreven zijn door mensen die in beweging zijn, die veelal op een vliegveld zijn bijvoorbeeld. Het is een epistolaire roman, een roman epistolaire. Ce sont des lettres perdues en plus. Het zijn brieven die verloren zijn gegaan, die eigenlijk nooit bij hun bestemming zijn aangekomen. Ce sont des lettres qui ne sont jamais arrivées à destination. Mais ce sont des lettres qui sont lues par d'autres personnes. Het zijn brieven die door anderen zijn gelezen. Ces gens-là vont les lire et d'une certaine manière répondre aux lettres qu'ils ont trouvées. En die mensen die de brieven vinden, die antwoorden daarop. Hoewel de brieven niet aan hen zelf zijn gericht. Tandis que les destinataires ne les ont jamais reçus. Dus de mensen voor wie ze bestemd zijn, hebben ze nooit ontvangen. Disons, il y a un homme qui écrit à sa femme, qui arrive sur le seuil de la folie. Er is een man die aan zijn vrouw, of aan een vrouw schrijft, die echt bijna in de waanzin valt. Il y a un homme qui écrit à sa mère, qui a eu une vie pleine de violence, qui a été torturé. Er is een man die schrijft over zijn leven waarin hij zelf is ja, gemarteld en waarin hij ook zelf heeft gemarteld. Comme ça, il y a une suite de lettres de femme, d'une femme à son frère, d'une femme à sa mère, etc. Il y a tout un panorama de lettres. C'est un tissu de lettres. Het is echt een weefsel van brieven. Il y a des vies qui se croisent à travers ces lettres. Et il y a aussi une chaîne de confession. Er is een hele ketting van een soort bekentenissen. Iedereen die schrijft in die brieven een bekentenis die hij eigenlijk nooit heeft opgeschreven aan anderen. Oda Barakat, vous publiez un roman épistolaire à une époque où en fait plus personne n'écrit des lettres. U publiceert een brievenroman in een tijd waarin eigenlijk niemand meer brieven schrijft. Bon, si vous permettez, ce n'est pas tout à fait un roman épistolaire puisque ce ne sont pas les réponses des uns et des autres aux lettres envoyées
qui vont nous donner une idée de comment dire, de l'histoire qui est racontée par l'écrivain. C'est plutôt le contraire de cette procédure. C'est-à-dire que la lettre n'arrive pas à destination. Même celui qui écrit sait plus ou moins que cette lettre ne va pas arriver. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom clair. Mais il y a comme un arrêt sur image, c'est-à-dire un arrêt sur son temps, parce que comme vous avez dit, c'est des gens qui sont en train de courir, parce que ce sont des errants, et ce sont des gens qui fuient quelque chose, qui ont des destins très compliqués, et celui qui trouve la lettre écrit à son tour, et encore une fois, la lettre qu'il écrit ne va pas à son destinataire. C'est comme ça que les destins s'imbriquent. Maintenant, pour répondre à votre question et pour être... Plutôt... Je vais peut-être traduire, si vous voulez bien. Sinon, ça va être trop long. Ja. Oui, dus Brieven in de Nacht is eigenlijk niet een brievenroman. Het is meer omdat eigenlijk elke brief is niet... op elke brief is geen antwoord, maar het is eigenlijk zijn losstaande brieven. Het is het omgekeerde dus eigenlijk. De brief komt aan, maar er is geen adres, er is geen naam. Dus het is meer een stilstaand beeld. Het gaat om zwervende wezens die op de vlucht zijn, die het moeilijk hebben. En die brief wordt dan weer door iemand anders gevonden, die zelf ook weer een brief gaat schrijven. En donc, j'ai perdu le fil. Ça arrive très souvent quand il y a une traduction. Donc les lettres n'arrivent pas à destination, elles sont lues par des personnes qui se mettent à écrire à leur tour. Oui, pour répondre à votre question, c'est ma manière de dire à quel point nous n'arrivons pas à communiquer, c'est-à-dire ni l'adresse, ni le nom, ni même le contenu de la lettre, parce que aussi ce sont des gens qui mentent. C'est-à-dire, c'est des émigrants qui ont fui leur pays au point d'inventer une langue nouvelle qui, au lieu de parler de l'amour de la patrie, de l'exil, tout ça, déteste leur passé et déteste leur pays jusqu'au point de se jeter dans les océans, dans les mers, de prendre des risques de mort pour fuir cette terre natale. Je dois peut-être m'arrêter pour la fin. Je vais reprendre. Dus het is eigenlijk, gaat dit boek over de moeilijkheid om te communiceren. De brieven hebben geen bestemming, er is geen naam, geen adres. En de inhoud, ja, de inhoud, de schrijvers daarvan zijn bewijzen bijna leugenaars. Het gaat om migranten die op de vlucht zijn en die verzinnen een nieuwe taal eigenlijk. Want de liefde die ze hebben voor hun land is veranderd in haat. Ze haten het verleden, ze haten het land van herkomst. En ze zijn zodanig op de vlucht dat ze bereid zijn om hun leven te wagen, om de zee op te gaan en om grote risico's te nemen. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu dire que ces gens-là sont des innocents et des victimes. J'ai voulu dire qu'ils traînent derrière eux des destins qui sont très complexes. C'est-à-dire qu'il y a des tortionnaires, il y a des terroristes, mais qui se cachent. Si les borders, comme dit votre festival, sont fermés, pourquoi les gens ils ont peur d'eux? Nous avons eu, que ce soit à Vienne ou à Paris, des attaques de ces gens-là. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de donner des réponses, dire c'est des victimes, des innocents, il faut les accueillir, mais de creuser un peu, d'écouter ces gens, c'est-à-dire d'écouter des voix qui ne parle pas,
de voir ces gens complexes et dont les destins sont complètement brisés, cassés. D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils apportent avec eux? Het is niet zo dat het de personages die ik naar voren breng onschuldige mensen zijn of slachtoffers alleen. Het zijn hele complexe personages. Het zijn soms zelfs martelaars of terroristen die angsten met zich meedragen. Je moet denken aan de aanslagen die geweest zijn in Vienna of in Parijs. Het gaat om de diepere gevoelens van deze mensen. En wat ik zou willen met mijn romans is dat we naar ze leren luisteren. Want deze mensen, naar deze mensen die ook niet spreken. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Oui, effectivement, ce sont des gens qui sont broyés d'une certaine manière par l'histoire, qui souffrent de l'histoire avec un grand H et qui n'ont peut-être même pas conscience de ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont démunis d'une certaine manière de parole. Et vous leur donnez une parole. Het zijn mensen die dus eigenlijk slachtoffer zijn van de geschiedenis met een grote G, die ook dat eigenlijk niet zo in de gaten hebben, maar die niet de woorden vinden om hun lot te bespreken. Te omschrijven. Est-ce que c'est bien ça, Oda Barakat? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, vous savez, ce petit roman est difficile à comprendre au premier abord. C'est-à-dire, des fois, on m'a reçu, que ce soit en français ou dans d'autres langues, en supposant que je donne la voix à ces personnages pour les déculpabiliser, pour offrir à ces gens victimes de l'exil ou de ces gens qui refusent de les accueillir, de leur donner une voix qui les avantages, qui aident à bien les accueillir, mais je n'ai pas fait ça en fait. Ja, het is inderdaad soms moeilijk te begrijpen wat die mensen beweegt. En soms denken mensen dat ik dit roman geschreven heb om deze mensen een stem te geven en om ze te verontschuldigen. Maar het zijn slachtoffers. Het zijn mensen die moeite hebben met het feit dat ze verbannen zijn. En dat is wat ik wil laten zien. Mm-hmm. On s'est rencontré une fois, pour être précis, en 2013 à Lyon. Et là, vous m'avez dit, je raconte les ratages, Oda. Pas les empêchements politiques. Je raconte la vie des gens qui sont passés à côté de leur vie. Est-ce qu'on peut le dire également des personnages dans votre livre Courrier de nuit? Oui, mais là, j'ai travaillé d'une manière beaucoup plus condensée. C'est-à-dire, j'ai toujours... Si vous voulez, j'ai toujours cherché la faille et j'ai toujours cherché à écouter des personnages qui, là où on ne les attend pas, c'est-à-dire là où ils vont aller vers des destinées très difficiles et qu'au premier abord, à la définition première de leur personnalité, on les présente d'une manière très simple. Maintenant, en tant que romancière, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter la complexité dans le fond de l'être. Et pourquoi on les comprend mal? Maintenant, je ne veux pas parler de l'histoire de chaque pays et comment les dictatures et les systèmes corrompus peuvent à leur tour produire des monstres et qui est responsable de ce vent jaune qui traverse toute une région qui est la mienne. C'est-à-dire comment on a été un peu, sans parler de politique, mais comment on a toléré les dictateurs, comment on a collaboré avec des systèmes qu'on savait qui terrorisaient leur peuple, qui était très corrompu, comment on recevait des chefs
d'État à qui on vendait des choses, des armes, tout ça. Ce n'est pas mon affaire, si vous voulez. Moi, je vais à ces individus qui se perdent dans les tempêtes de l'histoire. Ja, in Brieven in de Nacht ben ik op zoek naar het onverwachte in personages. Met personages die een bestemming hebben die ontzettend moeilijk is. En niet zozeer de simpele benadering die er nu wel eens gegeven wordt van de migranten die uit de streken zoals Libanon komen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe het regime, de tolerantie de corruptie en het geweld wat de regimes teweeg kunnen brengen, kunnen doen met mensen. Wat voor monsters daaruit voort kunnen komen. Maar wat de regeringen doen, de wapenhandel en dergelijke, dat is niet zozeer wat mijn belangstelling heeft, maar meer wat het met de mensen doet. Oui, bien sûr, vous êtes romancière, vous êtes romanschrijfster, donc forcément vous vous occupez de l'individu et pas de la politique, c'est clair. Et pourtant, il y a des notions politiques, mais sous-entendues, en toch zitten er wel politieke denkbeelden in uw boek, maar die zitten tussen de lijnen door, die zijn ondershuids. Dans votre livre aussi, d'une certaine manière, il s'agit de la notion de chez soi. Dat heeft ook een... bij het vorige gesprek bij Crossing Border hadden we het daar ook over. Het ging over je ergens thuis voelen. La notion d'être chez soi est quelque part fondamentale dans ce livre également. Parce que justement, les personnages de votre livre sont des gens de nulle part, d'une certaine manière. Ils n'ont pas de chez soi. Ils sont en mouvement, ils sont à la recherche d'un lieu, d'un nid. Ze zijn juist op zoek naar een nest, naar een thuis. Mais ils ne le trouvent pas. En 2013, lorsqu'on s'est vu, vous m'avez dit « Je me sens de nulle part. Vous n'avez pas choisi de quitter le Liban. » Toen wij elkaar tegenkwamen in 2013, heeft u tegen mij gezegd « Ik kom eigenlijk nergens vandaan. Vous n'avez pas choisi de quitter le Liban. » U heeft er niet voor gekozen om weg te gaan uit Libanon. « Vous avez été poussé dehors, vous m'avez dit. » U bent er eigenlijk uitgeduwd. U bent weggegaan, maar niet om te landen. Vous êtes parti, mais pas pour atterrir. Et c'est une phrase que j'ai retrouvée dans ce livre-là. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une notion d'être chez soi aussi dans votre livre? Gaat het daar ook niet fondamenteel om in dit boek? En même temps, enfin, je teste les Libanais un peu, parce qu'ils n'ont pas su vraiment récupérer leur pays, parce qu'ils sont... enfin, je les critique beaucoup, on va dire. Est-ce que j'ai atterri en France? Je suis française et la France m'a beaucoup, beaucoup gratifiée. Et même dans d'autres pays, quand... J'ai maintenant beaucoup de traductions et que quand je suis invitée, on m'accueille très bien, mais j'appartiens à mes enfants, j'appartiens à ma maison, j'appartiens à mes livres. Je ne peux plus, je suis très vieille pour avoir un chez-soi dans le sens de l'appartenance et de la filiation identitaire. Libanon, ja, misschien gaan we geen poëzie schrijven, maar ja, ik ben natuurlijk Libanees en ik heb een beetje een haat-liefde verhouding ten aanzien van mijn land van herkomst, Libanon. Want het is natuurlijk een geweldig land, maar het is ook een land die zijn kansen heeft gemist, om het kort samen te vatten. En natuurlijk Frankrijk, ik ben Française en Frankrijk heeft me enorm geholpen. En ook in andere landen, als er vertalingen zijn van mijn boeken en ik kom in andere landen, word ik geweldig ontvangen. Maar mijn identiteit, dat is meer mijn kinderen, dat is mijn huis en dat zijn mijn boeken. Ik ben een beetje te oud om een nieuwe thuis te scheppen in een ander land en een identiteit daarbij te scheppen.
Oui, je comprends ce que vous dites, mais d'autre part, si je regarde vos personnages, als ik naar uw personages in het boek kijk, eux aussi, ils cherchent un certain apaisement, ils cherchent un lieu, ils détestent, et il y a une relation d'amour en même temps. Il y a, daar zit ook die haat-liefde-verhouding in. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est d'une certaine manière un miroir de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je suis contente de votre manière de lire les choses parce que ça me facilite la tâche. En fait, nos rapports avec les lieux, si, comme moi, on a quitté son pays parce qu'il y a eu une guerre ou parce qu'on y est persécuté ou que pour, je veux dire, si on a quitté malgré soi les premiers lieux, il n'y a plus de lieux nulle part. C'est comme, c'est-à-dire, vous avez comme une blessure et aimer ces lieux, c'est comme aimer un enfant handicapé. C'est-à-dire, vous l'aimez beaucoup, vous êtes le plus attaché à cet enfant, mais en même temps, vous êtes pleine de haine, de ressentiment, vous voulez en finir, vous voulez vous libérer de ça, mais en même temps, c'est une histoire qui va au plus profond de vous. C'est-à-dire que il m'arrive, moi, quand je regarde des photos prises au Liban avec les enfants quand ils étaient petits, de pleurer de rage et d'amour, mais aussi de regret, de ce sentiment de blessure et de ne vouloir plus s'attacher aux lieux, aux endroits, aux maisons. Je l'ai un peu écrit, c'est-à-dire que dans les nouvelles maisons, vous choisissez des meubles IKEA pour que ça soit léger, pour jeter. Vous n'avez plus la commode de la grand-mère, tant pis. C'est-à-dire toute votre existence est un manque. Ja, de haat-liefde, dat is inderdaad een beetje wat je ook in de wereld ziet. En als je een land moet verlaten, wegens oorlog of wegens vervolgingen, dan doe je dat vaak met tegenzin. En uiteindelijk is er geen andere plaats waar je uiteindelijk weer echt je thuis voelt. Je houdt altijd een wond als je een land moet verlaten. En dan kijk je terug naar dat land als een beetje als een gehandicapt kind. Je bent eraan gehecht, maar tegelijkertijd haat je dat land vanwege wat er allemaal gebeurd is. En je, ja, dat zijn hele diepe gevoelens. Als ik terugkijk naar foto's in Libanon, dat ik met mijn kinderen rondliep daar, dan huil ik van woede, maar tegelijk voel ik heel veel liefde en voel ik spijt. En ik voel me dan tegelijk ook onthecht. En hetzelfde heb ik een beetje met huizen waar ik in ga wonen. Inmiddels koop ik IKEA-meubels en dan heb ik niet meer het oude kastje van mijn oma, wat dan mee is gegaan. Dus je gaat je minder hechten en je raakt meer gehecht aan de waarden met je kinderen en je gezin. Mm-hmm. Dans le livre Un courrier de nuit, en fait, vous parlez pas, vous décrivez pas beaucoup en détail les lieux, sauf le lieu où les personnages se retrouvent, c'est l'aéroport, n'est-ce pas? In uw boek beschrijft u niet echt de plekken waar de mensen zich bevinden. Er is één plek die in vele brieven terugkomt en dat is het vliegveld. Est-ce que l'aéroport n'est pas le lieu le plus triste et le plus flou, le plus ouvert au monde et le moins de chez soi qui existe? Is het vliegveld niet het minst thuis en het meest trieste eigenlijk, het meest vluchtig ook, waar je kunt bevinden? Exactement. C'est-à-dire, c'est le non-lieu par excellence. C'est un lieu triste parce que dans un aéroport, vous êtes certaine d'avoir quitté chez toi, d'être partie de ta maison. Et à partir de là,
vous n'allez atterrir nulle part. C'est-à-dire les autres endroits, pour moi, parce que ça dépend comment on a quitté son chez-soi ou son pays. Après, les autres endroits vers lesquels on va aller sont flous, comme tu dis. Ils sont ouverts à toutes les possibilités et il n'y a plus ce sentiment de quiétude, de sérénité. Et finalement, elles se valent toutes. Ja, het vliegveld is inderdaad, dat vertegenwoordigt het feit dat je alles hebt verlaten. Het is, je bent ver van huis en haard. En nergens in andere landen zul je dan weer vinden wat je ooit thuis had. Hoe dan ook. En alle andere plekken die, waar je terechtkomt, die staan open voor duizenden mogelijkheden. Maar daar voel je je niet zo geankerd als in je eigen land. Et cette idée-là aussi, je pense que se reflète aussi dans votre style. Dat idée van vliegveld en nergens thuis zijn, dat geeft u ook weer in uw stijl. Votre style n'est pas un style qui part de A et qui finit à Z. Het is geen stijl die van A naar Z gaat. C'est un style avec plein de questions, avec des réflexions sur soi, avec des mensonges, comme vous avez dit. Het is een stijl die eigenlijk in cirkeltjes gaat, met leugens. Die gaat geen rechte lijn. C'est pas un roman qui raconte une histoire. Il n'y a pas d'intrigue. D'une certaine manière, c'est le miroir, c'est le reflet de ce qui se passe en conflit interne avec chacun des personnages. Het is een soort, ja, zou je bijna zeggen, spiegel van wat er zich in die personages afspeelt. N'est-ce pas? Exactement. Exactement. C'est-à-dire comment Non, il faut s'approcher des gens, par exemple, pour donner un exemple, des gens de l'opposition classique d'une grande dictature. Ils mentent. Ils ont été élevés comme ça. Ils ont peur. Donc, ils sont tellement peu nombreux les martyrs de la vérité. Il y a très peu de gens qui veulent bien reconnaître la vérité où elle est. C'est-à-dire leur vie a été vérolée. C'est-à-dire il y a eu un virus qui va au-delà de leur résistance. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, la plupart des opposants ressemblent aux gens du pouvoir. C'est-à-dire ressemblent à leurs tortionnaires parce qu'il faut presque le même virus pour pouvoir lutter. Vous avez besoin presque des mêmes outils pour pouvoir répondre à l'agression. Mm-hmm. Et ça, c'est très humain. En fait, je ne sais pas si c'est très humain, mais c'est une constatation. C'est-à-dire que j'ai beaucoup connu des opposants par exemple, espionner leurs femmes, comme ça, parce qu'ils veulent être sûrs que... des histoires pareilles. Et ce qui m'intéresse, comme tu viens de dire, ce n'est pas défendre une cause en racontant d'une manière linéaire pour défendre ou innocenter ou... prétendre dire la vérité. Moi, je n'ai pas de vérité. J'essaye juste d'écouter des gens qui sont très complexes, des personnages. Ja, precies wat je net zei. De mensen, die in de oppositie zitten ten aanzien van een dictatuur. Ja, die beleven heel veel angst. En het zijn maar heel weinig mensen die het lef hebben om tegen een dictatuur op te treden. En zij zijn als het ware besmet met dezelfde virus als de mensen die de dictatuur zelf leiden. Ze gaan eigenlijk lijken op hun martelaars. Want mijn idee is dat ze bijna dezelfde tools moeten gaan gebruiken als de gezagsvoerders waar ze tegen strijden.
En wat me opvalt, dat is dat mensen die in de oppositie zitten, bijvoorbeeld vaak ook zelf hetzelfde gedrag gaan vertonen dan de leiders. Bijvoorbeeld, je ziet vaak dat ze hun vrouwen gaan spioneren. En ik ben er helemaal niet op uit om een soort lineair verhaal te vertellen met een bepaalde gedachte die ik dan ga verdedigen en dergelijke. En ik heb ook niet de waarheid in pacht. Ik probeer meer de mensen te analyseren en te bekijken hoe zij zich verder ontwikkelen. Il y a un autre élément que je trouve très intéressant dans votre livre. Dus nog een ander element dat ik interessant vind in uw boek. Les lettres, comme on a dit, n'arrivent pas à destination. De brieven die komen niet aan bij de mensen voor wie ze bestemd zijn. Mais elles sont lues par d'autres personnes qui, à leur tour, se mettent à écrire, n'est-ce pas? Die mensen die de brieven onder ogen krijgen, die gaan op hun beurt schrijven. Alors, ils passent le relais. N'est-ce pas? C'est un peu comme on fait de la littérature. On lit, on réagit à ce qu'on lit et on devient écrivain ou écrivaine soi-même. Je leest, je réagit daarop en dan word je op de een of andere manier zelf schrijver of lezer. Juan Goytisolo l'a appelé il y a des années, c'est une sorte de pollinisation. Il y a des pollens qui se transmettent dans l'air et puis qui sont fructueux. Et là, il y a de nouveaux arbres, de nouvelles plantes qui poussent. Dat is een soort pollen die ergens door de lucht vliegt, neerkomt, opgepakt worden door de volgende. En dan maak je er weer iets nieuws van. Est-ce que, d'une certaine manière aussi, on peut dire que l'écriture est mieux que se taire? Est-ce que écrire, c'est un soulagement? Kun je zeggen van schrijven lucht op? Je kunt beter schrijven dan gewoon voortdurend zwijgen. Oda Barakat. Est-ce que c'est un soulagement? Certainement. Parce que moi, je me fais... J'ai comparé l'autre fois dans ma tête l'écriture à la dialyse. C'est-à-dire... Quand il se passe très très longtemps que je n'écris pas ou que je n'ai pas vraiment un projet dans la tête, au moins dans la tête, je sens que je deviens beaucoup plus énervée, beaucoup plus méchante, beaucoup plus pas gentille du tout. Mais par rapport à l'écriture, c'est-à-dire l'écriture, vous nous vous ne pouvez pas écrire si vous ne lisez pas beaucoup les autres. Est-ce que c'est une pollinisation? Oui, mais les personnages ne doivent pas, à mon avis, ne sont pas des écrivains et ne doivent pas jouer le jeu d'être l'écrivain. Et je veux dire, ça c'est compliqué comme idée, mais... Ça va être un peu long si Léonie me permet une minute. C'est-à-dire, il s'installe entre nous, écrivains, et les personnages, une telle distance que nous devons rester les maîtres, c'est-à-dire avoir les manettes dans les mains et ne pas s'approcher trop du personnage. C'est comme, par exemple, les acteurs. C'est un mauvais acteur, celui qui, par exemple, devient son personnage. Non, il ne faut pas. Il faut pas se leurrer de devenir soi-même le personnage. Le personnage, il est là pour vous servir et vous devez tout le temps le contrôler et le mettre vraiment à distance. Je m'excuse si ce n'est pas clair. Excuse-moi, Léonie. Non, ça va aller. Ça va aller. Het is een beetje een opluchting, ja. Het is een beetje, laten we zeggen, je kunt schrijven beschouwen als een soort dialyse, zeg ik wel eens. Als ik bijvoorbeeld lang geen project heb en niet schrijf, dan word ik een beetje nerveus. Dan word ik zelfs gemeen en stout en zo. Dus schrijven is heel belangrijk. En als je wil schrijven, dan ontkom je er niet aan. Dan moet je ook veel lezen.
En is het dan een kruisbestuiving? Dat weet ik niet. Maar het is heel belangrijk wat je met je personages doet. Want je personages die je schrijft, dat moet niet dé schrijver worden. Je bent schrijver en je personages, daar moet je meester van blijven. Die zijn ten dienst van je verhaal. En het is een beetje net als met een acteur. Een acteur moet niet het personage zelf worden. Nee, hij moet het personage verbeelden, maar zichzelf blijven. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je de personages onder controle moet houden. Effectivement, c'est pas facile. Het is inderdaad niet zo makkelijk. J'ai encore deux questions. Une question sur Beyrouth et l'autre sur Paris, si vous permettez. Ik heb nog twee vragen. Eentje over Beyrouth en eentje over Parijs. D'accord? Vous êtes d'accord? Super. Alors, il y a 10 ans à peu près, il y a un journaliste français, Robert Solé, qui a publié un article à l'occasion des Belles étrangères à Paris, dans lequel il parle du Liban et de sa culture. Et il dit, ce pays aurait dû être mort et enterré depuis longtemps, après une guerre civile de 15 ans qui a fait plus de 150 000 victimes et mis son économie. 250. Oui, mais c'est pas grave. Oui, bon. Et mis son économie à genoux après une occupation syrienne implacable et un conflit destructeur entre le Hezbollah et Israël, qui aurait parié une piastre sur le Liban? Et surtout, qui aurait imaginé que ce pays meurtri produirait autant de romans, de films et de pièces de théâtre de qualité? Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Ik citeer een stuk van een Franse journalist, Robert Solé, dat hij heeft geschreven naar aanleiding van Les Belles étrangères in Parijs, waarin hij eigenlijk zegt, het is een onmogelijk land, dat land had al lang dood en begraven moeten zijn, want er was een burgeroorlog van 15 jaar, meer dan 250.000 slachtoffers, een economie die helemaal niet functioneert, een Syrische bezetting, een enorm vernietigend conflict. En toch, desondanks, is Libanon en met name Beyrouth een stad, zeker een land, waar de kunsten enorm bloeien. Quelle serait votre réponse? Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que Beyrouth est effectivement une ville qui fleurit, où il y a plein de choses qui arrivent justement à cause de cette histoire? Oda. Vous savez, Solé n'est pas libanais, enfin, il est d'origine égyptienne, il n'est pas libanais. Mais les Libanais, en ce moment, si vous voulez, surtout après la dernière explosion et jusqu'à nouvel ordre, ils n'ont pas pu composer un nouveau gouvernement et le pays est franchement est moribond, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui tienne. Les jeunes sont en train de partir, l'économie est par terre et ils sont toujours, c'est-à-dire les chefs qui à la base sont des chefs de milice continue à s'entretuer pour un gouvernement ou pour une... Enfin... C'est-à-dire que tout ce qui a tenu jusque-là au Liban, qui est un mythe pour les autres, et tout le monde se demandait et d'où on tire cette vitalité, ne marche plus maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, les chefs de guerre, les fanatiques, ceux qui ont toujours œuvré contre toute créativité de ce peuple. Nous sommes actuellement à un point tournant de notre histoire. J'espère que les Libanais vont se débarrasser de ces gens-là. Mais comme je suis quelqu'un de rancunier, ce ne sera pas pendant... Ça ne va pas se passer pendant que je suis encore en vie. Donc, c'est vrai que les Libanais continuent à écrire, ils sont,
Ils sont formidables dans beaucoup d'activités en tant qu'individu, mais maintenant le peuple est par terre. Ja, Beirut. Wat Solé zegt, ja, Solé is eigenlijk Egyptenaar, maar de Libanezen, ja, zeker na de ontploffing onlangs, het land is helemaal ten gronde op het moment. Er is geen regering, de jeugd loopt weg, de economie is rampzalig en eigenlijk de militieleiders hebben de strijd gewonnen. En Libanon is een mythe altijd geweest van levendigheid en van kunst. Maar dat is naar mijn mening over. De oorlogvoerders en de fanatici die hebben gewonnen. Het is een keerpunt in Libanon. Natuurlijk hoop ik dat het gaat lukken om weer dit allemaal weer terug te draaien. Maar ik ben nogal wanhopig en ik denk niet dat dat gaat gebeuren zolang ik nog leef. Maar ja, natuurlijk heb je nog wel schrijvers die heel talentvol zijn en individuen die heel talentvol zijn. Dans ce cas-là, je pense qu'on va pas finir sur une note très positive parce que j'allais vous poser la dernière question sur Paris. In dat geval zullen we misschien niet op een positieve noot eindigen, want mijn laatste vraag gaat over Parijs. On vit à une époque où il y a surtout en France des attentats par des fondamentalistes, des islamistes, un peu partout, même à Vienne aujourd'hui, vandaag ook weer in Wenen. Hoe ervaart u dat? Vous sentez-vous? Vous avez fui les islamistes et les fondamentalistes et là vous vous retrouvez à Paris. Est-ce que votre vie change? Est-ce que votre vie a changé? Est-ce que votre vie a changé? Hoe staat u daar tegenover? U bent juist vertrokken vanwege dit soort ellende. Margot, c'est très difficile de répondre à cette question en fait. Mm. On est tous largués, on ne comprend plus. Au Liban, je n'ai pas fui spécifiquement les islamistes, j'ai fui une guerre civile qui était devenue une machine folle. Là, je n'arrive plus à comprendre le monde et même quand je comprends, je ne suis pas convaincue. C'est-à-dire, nous vivons une époque qui est très difficile à comprendre et des fois, on n'a plus envie de chercher. C'est-à-dire, pourquoi ces gens-là font autant de mal? Pourquoi, comment, dans quel vivier ils ont été élevés? Qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tête? Ce monde immense, que ce soit des Albanais, que ce soit des... Enfin, en Afghanistan, au Pakistan, dans le monde arabe... C'est comme une épidémie et c'est comme je n'arrive pas à. Il y a beaucoup de raisons pour ça, certainement, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Paris ou ailleurs, Paris, l'Europe. Il y a beaucoup de raisons, mais pas assez pour arriver à ce point culminant de folie collective. J'ai très peur. C'est pourquoi d'autant plus je ne sors plus de chez moi. J'ai peur pour les gens. J'ai peur de regarder, comme je le fais d'ailleurs régulièrement, les infos. Et j'espère me réveiller un jour de ce cauchemar, quoi. Mais c'est notre cauchemar. Nous avons quelque part fait tout cela de nos propres mains. C'est la nature des humains, il paraît. Ja, dit is een hele moeilijke vraag. En we begrijpen het allemaal niet wat er aan de hand is. Ik ben niet vertrokken uit Libanon vanwege de islamieten, maar meer wegens de burgeroorlog die daar voerde. En de wereld is op het moment een raadsel, zo gek als het is. Ik vind het erg moeilijk om te begrijpen wat mensen ertoe kan leiden om zo te handelen. En hoe dit zover heeft kunnen komen. Of het nou om Albanese gaat, mensen uit Pakistan, uit de Arabische wereld. Het lijkt wel een epidemie die overal ronddwaalt.
En of het nou in Parijs gaat of overal elders. Ik kan wel een beetje gissen naar bepaalde redenen, maar ik begrijp niet precies wat er aan de hand is. Ja, en als ik dan zo om me heen kijk, dan voel ik me wel angstig. En ik kijk naar het nieuws en naar de televisie. Maar ik heb niet veel behoefte meer om naar buiten te gaan. En soms hoop ik dat ik uit deze nachtmerrie wakker word en dat het over is. Maar ik vrees dat we dit gezamenlijk, dat dit allemaal het product is van de gezamenlijke samenwerking van de mensen. Dat de mensen dit samen teweeg hebben gebracht. Dans ce cas-là, espérons que la jeunesse fera mieux que nous et lisons les beaux livres, n'est-ce pas, dans ce cas-là? In dat geval moeten we maar vertrouwen hebben in de jeugd en in de mooie boeken. Continuez à écrire, sortez quand même dans quelques temps, Oda. Et ga toch maar naar buiten af en toe. Et merci énormément d'avoir été avec nous ce soir. Je vous montre ce bel objet en remerciant vraiment les éditions Orlando, surtout que j'ai eu la chance d'avoir Jocke Poppinga, qui est la meilleure des meilleurs traducteurs de l'arabe vers le néerlandais. J'ai vu beaucoup dans d'autres traductions des couvertures comme ça, mais je préfère de loin celle-là. Et je voulais leur dire vraiment merci et bon courage. Merci à toi, Margot, merci, Léonie, et merci à Crossing Borders. Ik wil nog even dit mooie object laten zien. En ik wil Orlando danken voor de samenwerking en de mogelijkheid om mijn boek te vertalen. Ik wil Jocke Poppinga danken, die een fantastische vertaalster is. En veel dank aan Margot en Leonie en aan Crossing Border voor deze mooie avond. Merci beaucoup à vous, Oda. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.